Et le but, boum, le joueur français de Kaklash qui marque. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien perso, c'est mon pec comme d'hab les potes. Et oui, je lance directement du Brawl Ball les potes parce que je suis avec des randoms, des inconnus. Et comment dire que les parties se déroulent plutôt bien depuis un certain nombre de temps. Voilà, ça fait déjà quelques bonnes parties que je fais avec eux. On s'amuse bien, on arrive à faire de belles games pour l'instant à faire que gagner. Vous avez pu le voir déjà avec l'intro de la vidéo. Donc c'est vraiment pas mal, vraiment propre. Donc moi je me suis dit bah, autant continuer directement comme ça tu vois. Donc si cette vidéo te plaît mon pote, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour que l'on soit bien évidemment toujours plus nombreux, et n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si tu kiffes la vidéo. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement essayer de ne pas perdre et de prendre le plus de trophées possible avec les randoms, hein, parce que du coup apparemment quand même en random il y a de bons joueurs, il y a de très bons joueurs même, étant donné que ce matin je me suis pris plus de 100 trophées les frérots. J'ai remonté de plus de 100 trophées le brawler déjà Daryl que j'avais vachement baissé, que j'avais fait vachement baisser, et aussi mon compte en fait tout simplement qui avait baissé, perdu beaucoup de trophées. Du coup ça fait toujours plaisir de regagner pas mal de trophées en SWAT, hein, c'est cool, ça fait du bien. Voilà, donc là j'ai repassé la barre des 8800 TR les frérots, un truc de dingue, vous n'imaginez même pas à quel point ça fait plaisir. Du coup hop là, on va éviter de crever, hein, prends le ballon et essaie de le lancer un petit peu quelque part, voilà à gauche peut-être, ce sera pas mal le temps que l'on nous réapparissions. Hop là, attention comment ça va se passer, je vais ulti, je saute, d'accord, on arrive à empêcher le but, d'accord, et oui, pas mal, pas mal. Le ricochet qui est avec moi, il est pas mal. Franchement, il est plutôt propre, plutôt bon. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Et avec ces deux persos, parce que déjà, dès le début de la journée, je me suis entamé une belle game. Il y avait... j'avais qui? J'avais Daryl. Je jouais mon poteau Daryl. Et je me suis fait vachement plaisir. Maintenant, je joue Crow. Hein, j'ai vu, je crois que c'était Demis BS toujours, qui a partagé un joli petit truc sur Twitter. Voilà, en disant, ah, pas mal avec Crow dans cette map et tout. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas essayer? Et au final, pour l'instant, ça fait déjà plus 20 trophées que je prends dessus. Ou plus même 30 trophées que je prends sur mon Crow. Je crois qu'il était à 360 même. Et là on est déjà à 400 trophées. Donc imaginez un petit peu la bogositude du truc. Donc si jamais vous voulez kiffer, n'hésitez pas à jouer cette belle compo là. Cette belle compo, voilà, celle qui s'affiche à l'écran, que vous avez du coup celle que l'on a actuellement, qui est une compo qui marche, étant donné que c'est la troisième game d'affilée déjà là que je rec. Et bien évidemment vous avez pu voir la win, hein, voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous trouvez que c'est une bonne compo, que vous pensez pouvoir la jouer, pouvoir gérer surtout, ben n'hésitez pas à la jouer. En tout cas moi je vous la recommande. Alors ici, vas-y, fais la passe mon frérot. Voilà, tu m'as fait la passe, c'est bien, et moi je te mets le... Oh là 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 là, c'est easy, c'est tranquille. Putain, ah je kiffe ces games, je kiffe ce genre de partie mes poulets putain. Ah c'est tellement beau, tellement beau de faire des victoires comme ça, des easy win comme je les appelle, easy win. Ah là 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 là, je kiffe. Ah bah là par contre je me suis fait salement défoncer, hein. Ça il faut le dire, je me suis fait salement défoncer. Je vais rapprocher un petit peu le micro de ma bouche, comme ça au moins on va essayer de tâter, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, tâter peut-être un petit peu du nouveau skill en termes de son, en termes de sound design mon frérot, en termes de sound design. J'essaye de faire en sorte que le son soit bien meilleur, et étant donné qu'à ma formation nous travaillons, enfin je travaille avec un ingé son, mais aussi des personnes qui connaissent très bien, qui travaillent dans l'univers cinématographique musical, et ben du coup on m'a conseillé d'utiliser par exemple un equalizer. Du coup ici on va essayer de ne pas mourir, on a réussi à faire notre petit kill comme tout à l'heure, on se met bien, on se met plutôt bien. Il y a un viewer pour l'instant, il y a 1-0 aussi au niveau des buts. Comment ça va se passer, parce qu'ils ont tous les deux leur ulti, la Jessie ne l'a pas encore. Hop là, voilà, merde, j'aurais dû ulti un petit peu plus sur le teco, un petit peu plus sur le côté. Vas-y, fais moi la passe frérot, fais moi la passe, voilà, merci, nickel, c'est bien ça, c'est bien. Et on met le but, et on met le but, et c'est encore la victoire. Voilà les potes, voilà cette compo, la compo qui marche en ce moment. Il y a déjà celle-là, qui est une excellente compo d'ailleurs, hein, parce que je tiens à dire que là pour l'instant j'ai pris au moins 40 trophées avec. Vraiment, là je vais bientôt arriver aux 9000 trophées. C'est le road to 9000. Donc je suis vraiment content, hein, on peut le dire, hein, parce que regardez les parties qui durent pas longtemps, c'est fou. C'est vraiment fou, j'ai quand même fait 22 parties ce matin avec des randoms quoi. 22 parties d'affilée je parle, hein, 22 parties d'affilée avec des randoms pour vous, je vais essayer de... Ah non, je l'ai supprimé les amis je crois, parce que j'avais... Ah non, j'avais dans mes suggestions d'amis peut-être, je dois l'avoir. Parce que pour vous dire que le mec m'a invité après avoir fait 22 parties avec lui quand même. Et je le connais pas le type, hein, je le connais pas. Donc pour vous dire à quel point c'est cool. Voilà, donc hop, ici on va éviter de crever, on prend la balle, on recule, on se décale. Voilà, on va essayer de tâter un autre côté. On va ulti, hop, on a ulti sur sa tronche. Ah putain, c'est moi qui ai tiré le ballon là? C'est moi qui l'ai balancé aussi loin ce ballon? Putain, j'ai merdé, j'ai complètement merdé. Et merde, j'ai complètement merdé ce coup là. Ah ouais, là je me suis foiré, hein. J'ai fait le foireux, je me suis dit, je vais me chauffer un petit peu. Mais non, j'avais oublié quand même que mon pec était un petit peu dégonflé par rapport au début de vidéo.
Allez go, hop là. On est 2 kills pour le moment. Ok, ici il y a le Franky qu'on va essayer au moins de pénaliser en termes de points de vie. Parce que le Franky qui est chaud, hop, il est très chaud le Franky, voilà, il est mort. Et il y a les alliés, enfin les adversaires, ses alliés plutôt, qui sont réapparus. Moi je me suis fait buter, comment que ça va se passer là? Les gars, il faut garder le ballon, c'est soit tu fonces, tu mets le but, soit tu esquives, tu tapes des droite-gauche, et t'essayes de ne pas crever en ramenant le ballon vers nous, hein, vers le but. Oh shit, vers notre but, pour éviter de crever, et pour éviter de perdre aussi. Hop là, donc là, on va buter cette foutue tourelle de merde qui nous casse les bonbons. Elle nous saoule, hein, cette tourelle, hein, vraiment, la tourelle de la Jessie. À savoir que Jessie est un très bon brawler pour le mode, comment ça s'appelle déjà, pour le mode Brawl Ball, hein. Un très très bon brawler, étant donné que, bah, avec sa tourelle déjà, elle te casse les bonbons, ça compte pour un deuxième brawler, hein, voilà, à elle-même. Donc c'est comme si vous jouiez déjà à 3v4, hein, donc c'était pas forcément de la triche non plus, mais c'est vraiment pas mal. Donc là on s'est pris un but, hein, on s'est pris un méchant but, parce que du coup j'ai essayé de taper l'esquive de la dynamite, la bombe de Dynamite, mais j'ai pas réussi à taper une belle esquive, donc c'est pas très grave. On va essayer de foncer, on va y aller, hop là, moi je me suis fait stopper direct, hop, j'ulti, j'arrive à faire un premier kill ou pas? Oui, j'arrive à faire le kill, hop. On va essayer de lui faire la passe ou pas? Est-ce qu'on essaye de lui faire la passe? Et non, mais le but! Oh là 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 là, le joueur de K-Clash quand même! Oh putain! Oh là là, ça c'était beau! Ça c'était très beau! Très très beau! On a réussi à égaliser pour le moment, Attention, on va essayer de ne pas se faire avoir dès le début. On fait encore un kill. Est-ce qu'on fait encore un kill? Oui, on fait encore un kill. C'est parfait. Et là, est-ce qu'on peut en faire encore un deuxième? Et oui, le but! C'est magnifique. Vous constatez à quel point ces games sont vraiment, mais genre vraiment magnifiques. Donc moi j'en relance une toute dernière pour la vidéo, mais peut-être pas avec eux, parce que je pense que je vais encore continuer un petit peu, histoire de monter mon joli petit croc, hein, parce que bon, arrivé au bout d'un moment, vous allez commencer à faire une défaite, une victoire, peut-être deux défaites, deux victoires, des trucs comme ça, mais il faut pas se décourager, hein, Mais là du coup moi je pense que je vais faire quelques parties encore avec eux, histoire de monter légèrement mon croc tant que je peux. Vraiment tant que je peux, et ensuite j'arrêterai probablement, je changerai probablement de brawler avant qu'il y en ait un nouveau, avant qu'il y ait le changement de mode plutôt. Hop là, ici voilà, on a réussi à faire le kill de la Jessie pendant que moi je vais réapparaître. C'est parti, let's go. Attention, il va falloir faire attention parce qu'ils ont quand même une belle composition en face avec le El Primo et avec aussi la Shelly qui vient de lancer son ulti et une Jessie. C'est vraiment une composition de bâtard, hein, qu'ils ont, moi je vous le dis, ils ont vraiment une compo de bâtard, donc on va éviter à tout prix de mourir. Hop là, j'ulti ici, ça fait un double kill, c'est parfait, je récupère le ballon et je vais essayer d'aller mettre un but. Dit qu'il y a la Chili qui va réapparaître instant, la Chili qui réapparaît instant, et moi qui mets le but instant aussi. 1-0 déjà pour le moment les potes, ça se passe plutôt bien pour nous. On va faire attention quand même à cette deuxième partie, cette deuxième manche on va dire de partie. On va faire vraiment vraiment gaffe parce que c'est pas à ce moment là qu'il faudrait qu'il faut se dire ah c'est bon on a gagné. Non, on n'a pas encore gagné, c'est soit il y a deux buts, soit il y a la fin complète du compte à rebours, auquel cas on peut dire qu'on a gagné, mais là tant que c'est pas finish, c'est pas gagné. Hop là, voilà, j'ai réussi à dégager le ballon, je me suis fait buter. Au moins comme ça, le ballon, il est pas dans les cages. Le gars, le ballon, il est pas dans les cages, mais on aurait pu s'en prendre un de but. On aurait pu, mais non. On se l'est pas pris au final. C'est parti, on va essayer d'aller faire du kill. On va essayer de montrer à quel point nous avons du skill aussi. Nous avons du bon petit skill, tu vois. Hop, c'est moi qui avais le ballon. Ah oui, c'est moi qui ai le ballon encore. Putain merde, mais arrêtez de me filer le ballon les potes là, arrêtez. Complètement arrêtez. Moi j'ai pas envie d'avoir le ballon. Oh là 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 là. Attends, est-ce que je tente? Non, je tente pas. Il faut pas être fou non plus. Oh. Faut pas être fou. Hop là, ici la Jessie. La petite Jessie, mais oui. Hop là, ici on a réussi à éviter de se prendre un but. Mais oui, on a évité le but. On l'a évité et là on jump. On jump ici, ça nous fait buter la Shelly peut-être. Oui, la Shelly qui est décédée. Mais on n'a pas réussi à mettre le but non plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Il nous reste 25 secondes avant la fin de la partie. On va éviter là. Je pense que ça va partir directement en défense. Hein. Je pense vraiment que ça va partir sur de la défense. Et il va falloir ne pas se prendre un but. C'est le principal, c'est le plus important. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On retire, d'accord, on esquive, on retire, allez hop, on retire, on met un but, peut-être, pas du tout, au moins on va peut-être faire un kill, on a fait le kill, c'est nickel, et c'est la fin de la partie, 3, 2, 1, c'est merveilleux, encore une victoire, je fais que ça en ce moment, regardez-moi cette compo, prenez-la en screen, et jouez avec cette composition, si jamais vous n'avez pas croc, bah vous changez de compo, voilà. Du coup moi je vais continuer avec eux les potes, en tout cas ça m'a fait énormément plaisir, si jamais vous aussi vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le pouce bleu, le partage et l'abonnement, et puis nous on se dit à demain 18h30 pour la nouvelle vidéo, 17h30 pardon, prenez soin de vous, c'était Tib, ciao ciao.